Et bien salut tout le monde, c'est Monsieur Jean, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui sur One Piece Treasure Cruise pour la suite de notre aventure. Et aujourd'hui nous allons attaquer le donjon de Tsugu... Attendez... Super, de Tsuru, voilà, de la marine, il reste plus que 3 jours. Alors je n'ai plus que 10 d'énergie parce que j'ai tenté de faire le Red Boss d'énergie et je suis à deux doigts de faire le 30 d'énergie mais j'ai fail deux fois, ça m'énerve. Si vous avez une équipe à conseiller, conseillez-moi, ce sera avec grand plaisir. Donc nous sommes partis pour Tsuru. Donc il y a trois personnages à drop, équipe psy conseiller. Hop, avec un bon Sengoku en ami. En chef j'ai mis Domingo, ouais, pour les... Voilà, pour changer un peu. Simplement. Et de toute façon en 10 d'énergie ça sera pas très compliqué. Hop. Alors que dire de Tsuru? Bien c'est une telle. Son spécial soigne de 2000 HP et change les emplacements aléatoirement. Ce qui est pas fou. Capitaine attaque des tireurs x2. Ça peut être intéressant. À voir, ou en sub elle peut être pas mal parce qu'elle a 1100 d'HP maxé et attaque 1200, ça reste correct. Ensuite, donc là on voit en face de nous Onigumo qui permet de réduire les HP de tous les ennemis de 10%, on va dire qu'il y a mieux, et Captain Ability attaque des Dex x2, ça peut être bien si vous vraiment vous n'avez pas de... Personnage Dex. Ah bah je le drop, tiens. Parfait. Même si c'est pas celui que je voulais, c'est parfait quand même, ça fait un drop. Voilà. Et ensuite nous avons Momonga. Qui n'est pas là. D'ailleurs il y a combien de... 5 battles au 10 d'énergie. Voilà. Momonga qui est un psy qui permet qui fait des dégâts psy sur un ennemi, et en Captain Ability HP et des personnages psy x2. Pas trop mal. Ah je l'ai pas drop. Dommage. Hop. Et voilà, c'est terminé. Vidéo la plus courte, une des vidéos la plus courte que j'ai faite, je crois. Je vais vous montrer quand même mon équipe pour NR, comme ça vous pourrez me conseiller mes personnages. Ouais. Et des stats pourris de toute façon, c'est juste pour la collecte. Alors, pour NR, personnage Dex ou Sabreur, personnellement j'ai tenté avec Dex. J'ai tenté avec cette équipe là. Avec Zoro, Ashura, Amirok, Koala, comment il s'appelle, Apu, bon j'ai pas pu le maxer encore, et j'ai pris Kobe l'officier pour booster les orbes. À la base j'avais Usopp, marteau, pilon, mais la première fois il m'a pas été super utile donc j'ai pris celui-là. Après c'est vrai que j'ai pas de personnage pour changer les orbes en full dex, je crois. Modifier les tandem, mes emplacements RCV en dex. Ah ouais, c'est les tandem et RCV en dex. Bon, c'est pas terrible. C'est enfin, c'est pas ce qui est le plus optimisé pour ce donjon. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, remontrer un peu l'effectif. Alors, en dex, j'ai tout ça. C'est pas exceptionnel, hein. J'ai pas beaucoup de persos maxés, de toute façon c'est assez difficile de maxer sur ce jeu. Les personnages, ensuite les personnages strong, on sait jamais, si vous voulez me conseiller peut-être une petite sabreur, une team sabreur qui pourrait passer, n'hésitez pas à me le dire. Voilà.
En même temps, ça vous montre un petit peu ma mise à jour de la collecte. Hein. Après, il y a celui-là. Non. Celui-là, non, en fait, j'ai rien dit. Oublié. Voilà. Et voilà pour la collection. D'ailleurs, attendez. Ouais, non. Hop. Bon, et bien sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et on se retrouve très très vite pour la suite de notre aventure. Peut-être tout à l'heure, si vous avez... Si entre-temps, j'ai réussi à faire NR. Ou si vous m'avez conseillé une équipe et en plus que ça a marché, voilà. Je testerai. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.